Pierre? Ouais. Ah, t'as pas le temps. Ouais, pas de soucis, ouais. Ouais, allô Santi. Ouais, tu fais quoi là? Ouais, ah, ouais. Ah, Chloé! Ah, ouais, non, mais je comprends, ouais. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais, Manon, ouais. Ah, ouais, la piscine, oui. Oh, mais t'abuses, Jif, tu pourrais venir quand même. Oh! Et gna 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 gna, le répondeur de Sylvain, gna 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 gna. Espèce de mousquette, Leïla, la mousquette! Putain! Non, mais Laura! Tu me prends pour un poney? Mais moi, je suis une licorne! Putain de Clarisse de merde! Putain! Qu'ils allaient tous se faire foutre! Mais relax, Max! Je suis là, moi! C'est pas grave si t'as pas d'autres amis! Mais toi, dans ton miroir à la con, je t'ai rien demandé! Va voir ailleurs si j'y suis! Et voilà, on essaie d'être sympa et c'est comme ça qu'on nous remercie. Super la mentalité, hein? Et salut à tous, approchez, approchez, car c'est l'heure du nouvel épisode de Captain Cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un petit bijou de science-fiction tout droit sorti des années 80. Après le succès de Star Wars, de nombreux réalisateurs se sont essayés à la science-fiction. Il y avait bien eu quelques bons films de science-fiction avant, comme La planète des singes ou 2001 l'Odyssée de l'espace, mais il faut bien dire quand même que les années 80 c'était LA décennie de la science-fiction. En dehors de Star Wars donc, on a eu droit à Retour vers le futur, Blade Runner, Terminator, E.T. l'extraterrestre, la saga Alien, SOS Phantom ou encore Mad Max. Tellement de films qui sont aujourd'hui rentrés dans la culture populaire. Mad Max d'ailleurs, parlons-en. C'est le film qui a lancé la carrière de Mel Gibson, qu'on a retrouvé ensuite dans L'Arme Fatale ou dans Braveheart, mais c'est aussi le film qui a popularisé la culture steampunk à l'écran. Alors pour les deux du fond là-bas qui ne suivent pas, le steampunk, qu'est-ce que c'est? Ce terme, qui signifie punk à vapeur, désigne tout un univers futuriste inspiré de l'ère industrielle, où la vapeur a pris le dessus sur toutes les autres formes d'énergie. L'esthétique steampunk est très particulière, puisqu'on retrouve des machines qui fument de partout et des vêtements inspirés de l'ère victorienne. Souvent, ce futur est dystopique, c'est-à-dire que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu et que l'action se déroule après de grandes catastrophes apocalyptiques. C'est le cas par exemple dans Mad Max, où on peut suivre les personnages évoluer dans un désert ou dans une ville désaffectée. Maintenant que le contexte est en place, on va partir dans le concret. Round 1. 2019, après la chute de New York, est un film franco-italien on se calme, y a pas de quoi être fier, hein. Donc c'est un film franco-italien qui date de 1983 et qui a été réalisé par Sergio Martino, qui est bien connu dans le milieu du cinéma bis. Le cinéma bis, c'est en gros l'art de faire des films en fonction de ce qui est à la mode, avec un budget réduit. Et bien dans le cas de 2019, après la chute de New York, c'est exactement ça. On retrouve donc un univers post-apocalyptique, check, avec un héros fort et téméraire, check, qui en plus de ça conduit des voitures à 200 km/h, check, et tout le monde s'entretue, check, dans un désert, check, puis dans une grande ville, check. Quand on lance le film, ça commence pas trop mal en plus. On a droit à une scène d'intro qui est pas mal du tout pour un film de série B, avec un saxophoniste qui joue dans les ruines de sa ville, suivi d'un combat qui est vraiment pas dégueu. Ensuite, le héros, qui s'appelle Percival, gagne une course dans le désert, et son prix c'est... Le prix qui t'est offert, c'est ton esclave hermaphrodite sur lequel tu as droit de vie ou de mort. Je me nomme Flower. Ça commence à devenir un petit peu chelou, mais admettons. Du coup, il est embauché pour aller récupérer la dernière femme féconde qui se trouve à New York. Et là, le scénario, 10 secondes. Les gentils arrivent à New York, ils se battent contre des racailles, puis contre des chevaliers, puis rencontrent des nains, puis ce mec-là, on sait pas trop ce que c'est, puis ils se battent contre des gros singes et contre un cyborg et à la fin ils partent dans l'espace! C'était le scénario, 10 secondes. Alors mon coco, ça avance ton scénario? Ouais, c'est l'histoire d'un ninja homosexuel qui rencontre un esquimau et alors il y a une mina, il lève des lamas et puis il part sur la côte chercher un éléphant à lunettes. 1, 2. On est d'accord que c'est un putain de gros camoulox. Je veux dire, ok, c'est le futur, on peut imaginer un petit peu des trucs qui sortent de l'ordinaire, tout ça, mais là les mecs ils en font un petit peu trop, non? Mais bon, si les ennemis sont un petit peu dans l'abus, qu'en est-il du gentil et de ses amis? Notre ami Percival, joué par Michael Sopki, fait à peu près le taf. Bon, d'accord, c'est pas un grand acteur, et parfois on sent qu'il est pas vraiment à fond, mais pour une petite série B, c'est pas trop mal.
Quand il part en mission, le président de la Confédération lui donne deux coéquipiers pour l'accompagner. Le premier s'appelle Bronze, c'est un mec chauve et sans charisme. Et au milieu du film, il meurt. Et son autre coéquipier, c'est Ratchet, un vieux pirate qui, révélation, est en fait un cyborg qui se bat à la fin du film contre Percival. Et à la fin du film, il meurt. Au cours de l'aventure, ils arrivent aussi à libérer une jeune femme qui s'appelle Jira et qui se laisse séduire par les beaux yeux du héros. Et puis à la fin, elle meurt aussi. On a aussi Shorty, c'est le nain, et à un moment, il se jette sur des pics et il meurt. Et on a surtout Big Ape, qui est joué par George Eastman et qui est le vrai MVP de ce film. Regarde-moi, je ne suis pas contaminé. J'ai fait à une femelle chimpanzé deux enfants. Ah bah merci mon Jojo, ça c'est la classe. Mais la limite, c'est pas grave. Parce qu'à la fin, il meurt brûlé par des rayons laser. Bref, même si les acteurs sont pas forcément géniaux, on finit quand même par s'y attacher un petit peu, et on a envie de savoir comment ils vont finir cette mission, est-ce qu'ils vont y arriver ? On m'a reproché d'être assez dur avec certains films que j'ai analysés dans les épisodes précédents, mais la différence en fait elle est relativement simple. Des films comme Red Sonja, Star Wars Holiday Special, Le Père Noël contre les Martiens, ce sont des films qui sont vraiment mauvais alors qu'ils avaient pour objectif d'être bons, de plaire au public, mais c'est tellement raté que ça marche pas du tout. Par contre, quand on parle d'un film comme 2019 après la chute de New York, c'est un film qui est tellement à côté de la plaque, qui est tellement raté, qu'il en devient comique, qui nous fait rire, parce qu'il est totalement absurde, totalement à côté du vélo, et c'est pour ça que finalement on passe quand même un bon moment. Bref, notre mission avec le Capitaine, c'est d'éliminer les mauvais films. Mais j'avoue que celui-là, finalement, je l'aime bien, et j'aimerais bien qu'on le sauve. Alors Capitaine, si tu m'entends... Mais bien sûr que je t'entends mon petit Thomas, puisque je suis dans ta tête de piaf. Mais le Capitaine n'épargne pas les mauvais films aussi facilement. Parce que le personnage, le scénario, c'est bien beau, mais... One tree. Comme l'a dit mon cher ami Thomas, les décors sont pas si mal. Un petit peu plastique par moment, mais pour un petit film, ça passe. Par contre, on peut pas en dire autant des effets spéciaux. D'abord, on a les tirs de laser. Ah, les lasers. C'est un problème dans tous les films à petit budget, mais là, on a touché le fond et on creuse encore. Mais bon, à l'époque, les effets spéciaux étaient pas aussi faciles à faire que maintenant. Ils avaient pas vraiment After Effects et en plus ils avaient pas non plus le budget de Star Wars. Par contre, va falloir m'expliquer un truc. Pourquoi quand les gens se blessent dans ce film, ils saignent du ketchup? Parce que non, ça, ma petite dame, c'est pas du sang, c'est de la sauce tomate. Et par contre, lui, il vomit du guacamole. Encore un coup de ces satanés mexicains. T'as de beaux yeux, tu sais. Alors oui, les effets spéciaux, c'est pas si grave que ça. Et on peut se dire que ce qui est important, c'est le message qu'il y a derrière ce film. Car derrière ce film bourrin, sans budget et complètement kitsch, se pose la question de la place de l'homme sur la Terre. Après que la planète ait été complètement détruite à cause des erreurs de l'être humain, est-ce que ça vaut vraiment la peine de retrouver la dernière flamme fertile pour relancer l'espèce qui a causé tant de dégâts jusque-là? Mais en fait, on s'en bat les steaks parce que c'est juste un vieux nanar des années 80 et on n'est pas là pour philosopher. Je suis le Capitaine Cinéma, je suis là pour éradiquer les mauvais films, pour pourfendre les navets avec moult barbarie. Tu t'es pris pour Mad Max, mais t'en fais pas, parce que tu es libre, Max. Mais non, il était cool ce film. C'était un nanar, mais un nanar sympa. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, mais c'est déjà l'heure de nous séparer. Non, je ne vous mérite pas. Vous valez mieux que moi. Mais ne vous en faites pas, on reviendra le mois prochain, et jusque-là, surtout, portez-vous bien, mais surtout, cucurbitacez. Voilà, c'est fini. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis et à vous abonner à la chaîne. Youpi !